L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nebicher. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en trois dimensions, que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nebicher. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Sid. Allez, on prend encore cette caisse et c'est tout. D'accord. Le feu d'artifice est prêt. Très bien. Allez, dépêchons-nous, faut pas moisir ici. Main en l'air, Limon! Ne bouge pas! Je pense que vous pouvez m'expliquer pourquoi deux officiers volent le matériel de la police. Connais, attends. Je vais t'expliquer. Allez, viens, Limon, descends du camion. Et ne fais pas de gestes brusques, surtout. Eh, ça y est, il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On file et en vitesse. Alors, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vos agresseurs devaient être trois. Mais vous n'avez vu le visage que de l'un d'eux, et c'était Frank Cooney, c'est bien ça? C'est comme on vous l'a dit, lieutenant. Quand moi et Co, on s'est approché de Cooney, deux types nous ont bondi dessus avec un tampon de chloroforme. Et ensuite, vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Le capitaine veut vous voir. Ça suffit pour aujourd'hui. On vous appellera si on a besoin de vous. Merci, lieutenant. Je peux vous voir? Pas tout de suite, Walter. Vous connaissez, je pense, le lieutenant Whittaker des affaires internationales? Oui, nous nous sommes rencontrés. Voilà, je... À autant les droits au but, je vous retire l'enquête concernant la mort de Cooney. Écoutez, je pense que ce serait une grave erreur au point où nous en sommes de retirer cette affaire. Je suis persuadé que l'exposé de tous vos arguments offre beaucoup d'intérêt, lieutenant. Mais le fait est qu'il s'agit d'une affaire internationale. Voilà qui demanderait à être prouvé, je crois. Et avec quoi vous allez prouver ça? Avec les dépositions de ces deux officiers, Limon et Co? Ce sont les seuls témoins, Jack. Très bien, mais imaginez que ces deux hommes y racontaient n'importe quoi. Ce serait une bonne raison de plus pour le confier le dossier. Prenez-le, puisque vous y tenez tant.
Toujours aussi gracieux. Est-ce que je peux enfin vous parler maintenant? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Frank Cooney. Adresse-toi au lieutenant machin. Boyd vient de me retirer le dossier. Non, il n'a pas osé faire ça. Tu crois qu'il s'est gêné? Lieutenant. Frank Cooney est entré à l'école de police en même temps que moi. Et nous étions les meilleurs amis du monde. Puis on a travaillé dans différents services, alors pendant plusieurs années, nous nous sommes perdus de vue. Mais il était au-dessus de tout soupçon. C'est impensable qu'il ait pu tremper dans une telle histoire. C'est très bien comme raison funèbre. Mais ce n'est pas tout. Bien. Voilà, ça remonte à 2 semaines. Cooney est venu me trouver en me demandant si je pouvais l'aider. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Au début, il m'a demandé des renseignements parfaitement anodins. Il voulait que j'effectue des contrôles de routine. Inventaire, mise à jour, rien d'étrange, quoi. Et où est le problème? C'est que l'autre jour, il est revenu me voir en me demandant de compulser le fichier du magasin d'armes. Ah, voilà le problème. Tu ferais mieux de raconter tout ça à Whittaker. Ce serait idiot de se le mettre à dos. N'oublie pas qu'il risque d'être sénateur. Je veux juste dire que Frank Cooney n'est pas un escroc. Sa famille se retrouverait à la rue s'il était compromis dans cette histoire. Et qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous laisseriez tomber un copain? Walter, je ne sais pas ce que tu dois faire. Mais à ta place, j'avancerai sur la pointe des pieds. Si tu ne dis rien à Whittaker, il est tout à fait capable de te virer. Et crois-moi, il ne s'en privera pas. Et pour répondre à ta question, non. Non. Je ne laisserai pas tomber un ami. Merci, Jack. Walter, rappelle-toi que tu es mon ami. Walter. Ah, Ottoman, vous avez pu vérifier les dossiers dont je vous ai parlé? Oui, ainsi que les fichiers confidentiels de la police. Frank Cooney était un ami à vous, non? Nous avons fait nos classes ensemble. Et vous êtes convaincu que votre ami est innocent des faits dont on l'accuse, même si les apparences sont contre lui? Oui, c'est ça. Alors que faisait-il au magasin d'armes la nuit dernière? À mon avis, il devait poursuivre une enquête pour son propre compte. Mais le problème, c'est le capitaine Boyd qui a confié tout le dossier aux affaires internationales. Se mettre en travers de leur route, c'est comme se coucher devant un rouleau compresseur. Walter, dans un cas comme celui-ci où les enquêteurs sont les enquêtés, qui enquête sur les enquêteurs? Vous pourriez préciser? Eh bien, pas vraiment, mais je trouvais que ça sonnait bien. Walter, est-ce que vous vous rendez compte que la vente des Silver Corvette est la meilleure après celle des Porsche auprès des jeunes cadres machos et dynamiques? Même là-dessus, il y a des statistiques. Oui, à partir d'aujourd'hui. C'est Limon, regardez. Et lui, c'est Co. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous les suivre? Élémentaire, mon cher Watson. C'est pas vous qui jouez Watson? Attendez une minute, vous comptez pas entrer comme ça? J'ai bien peur de ne pouvoir entrer nulle part si je ne trouve pas une source d'énergie. Ouais, ça se voit. Je vous trouve un petit peu palichon ce soir. Bon, je vais essayer de changer de costume. Qu'est-ce que vous penseriez d'un élégant smoking noir avec des... Non, pas à Los Angeles. Restons simples. Wow! Regarde un peu le gars! Oh, oui! Oh! Oh! T'as vu son look? Oh! Ouais! Ottoman? Vous faites partie du spectacle de magie, au moins. Pfff.
magnifique, vous êtes fantastique, vous êtes... Oh, mieux. Parfait. Oh, et bien, si vous le dites. Eh bien, dites donc, j'ai hâte de voir votre numéro. Oh. Et vous, le magicien, vous voulez pas me changer en petit lapin? Si on entre, qu'est-ce que vous nous montrerez? Ottoman, c'est pas vrai, vous êtes trop. Et pourquoi donc? Oh non, pour rien, pour rien. Ottoman, les deux officiers sont partis par le fond. Parfait. J'espère qu'on trouvera une source d'énergie dans les coulisses. Je me sens flappy. Ah, chouette, des vitamines. Essayez de rester discret. C'est ça que vous appelez rester discret, Ottoman? C'est rien, c'est naturel. Oh. Ouh, ça décoiffe. Vous deux, qu'est-ce que vous avez fait à mon compteur? Regardez, il ne marche plus. Mais comment je vais faire, moi? Oh, j'ai ma séance qui débute dans 5 minutes et j'ai plus d'effets spéciaux. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe ici, Walter. Eh bien, c'est assez difficile à expliquer. Comment vous dire? Des gens essaient d'entrer en relation avec des esprits désincarnés. Ouais. Ah bon, et il faut des effets spéciaux pour faire ça? Les gens veulent du concret. Et c'est bien trop compliqué pour un pauvre médium. Et vous trouvez beaucoup de gens prêts à se faire peur à si bon compte à notre époque? Ah, surtout à notre époque, c'est très populaire, au contraire. Parapsychologie, voyants, médiums. Vous savez qu'ils utilisent des flics extralucides dans la police? Vraiment? Mm-hmm. Et ils utilisent également des effets spéciaux, Walter? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais moi j'ai affaire. Vous restez là et vous surveillez les deux officiers. Moi, je m'occupe de celui-ci. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi êtes-vous venu? On veut notre argent du monde. Tant que la livraison des armes n'aura pas été effectuée, vous n'obtiendrez pas un sou. C'est pas ce qui était convenu. Et la mort d'un policier, c'était convenu? Écoutez, je suis pas venu ici pour m'amuser. On devait sortir les armes du dépôt et vous les remettre. C'est ce qu'on a fait. Donc vous nous devez à chacun 50 000 dollars. Et si on n'en voit pas la couleur, je vous promets que l'avenir sera plein de mauvaises surprises. Vraiment, vous n'avez rien compris du tout. Rien ne prouve jusqu'ici que je sois mêlé à aucune de vos actions. Et à partir du moment où un officier a été tué, je ne veux plus avoir affaire à vous. C'est moi qui vous tiens. Alors, je vous conseillerais de vous en tenir à ce qui a été dit et d'y réfléchir à deux fois avant de lancer des menaces. Nous effectuerons la livraison dans 3 jours. D'ici là, disparaissez de ma vue. Tu cherches les toilettes? Regardez ce que je vous amène. J'ai ramassé ça dehors. Ce que vous disiez l'intéressait beaucoup. Charmant garçon. Je voudrais d'abord que vous me disiez... Ah, vous êtes là, Walter. Dépêchez-vous, la séance va bientôt commencer. Et vous êtes qui, vous, au juste? Comment? On est avec Madame Russo, bien sûr. C'est moi qui m'occupe des effets spéciaux. Faux. Elle a une machine pour faire ça. Oh non, nous venons de mettre au point une nouvelle technique, bien plus visuelle. Allez, venez, Walter, allons travailler. Patron, gardez-le ici pendant que je vérifie leur histoire. Ah non, mais il va avoir besoin... Ce n'est pas grave, Walter. J'arriverai à me débrouiller seul. Ah, et ça, j'en doute pas. Mesdames et messieurs, le club des joyeux spirites est fier de vous présenter ce soir Madame Russo. Je vous demanderai de vous tenir les mains. Êtres invisibles et puissances du néant, forces maléfiques et fantômes errants, esprit du malin, surgissez de la tombe. Âmes sans repos, cortèges sans joie, sortez de vos sépultures et faites entendre vos voix. Et alors, c'est pour bientôt ces effets spéciaux. Oh, du curseur? Rassemblez vos chairs décomposées, traînez vos chaînes et venez rejoindre les initiés. Allô? Les forces occultes? Est-ce que vous m'entendez?
comment vous... Absolument qu'il reste ici. Vous pouvez le relâcher. Leur histoire tient debout. C'est parfait, on s'en va. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Vous non plus. Bien, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Ottoman! Mais qu'est-ce que vous faites? Bonsoir, Madame Rousseau. Dépêchez-vous! Les deux types s'en vont! Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Dépêchez-vous! Merci! Vous êtes incroyable! Vous êtes étonnant! Oh, vous me donneriez un autographe? Mon... autographe? Ah, certainement. Oui. On va les perdre. Veuillez m'excuser. Oh, merci beaucoup. Merci. Curseur. Ottoman, c'est le lieutenant Whittaker. Montez. Trop tard, il nous a vus. Partez. Bichère, vous pourriez m'expliquer exactement ce que vous faites ici? J'étais voir le spectacle. Et vous-même, vous aimez peut-être les émotions fortes ou vous venez vous faire prédire l'avenir? Ce que je fais ici ne regarde que moi. Et ce ne sont pas vos affaires. Compris. J'ai rencontré ce petit informaticien de la police, Nebicher. Il était juste à la sortie de la boîte. Ce n'est pas bon signe, Rolly. Non, je suis d'accord. Et spécialement depuis que les frères Lagachette, vos bons copains, ont soudainement réapparu avec la ferme intention de faire du chantage. C'est sûrement ça. Nebicher a dû les prendre en filature. Autrement dit, il a fait le lien entre vous et moi. Vous avez intérêt à régler tout ça. Walter, vous avez fait des bêtises. Non, pourquoi? J'en sais rien. Je vous attends, les biches, venez ici, au pas de course. J'arrive. À quelle adresse, vous dites? Oui, je note. Bon, venez me dire exactement ce qui est arrivé, je vous ai... C'est arrivé juste au moment où je sortais de chez moi. Comprenez? Voici ce que nous avons trouvé en fouillant les affaires personnelles de Frank Cooney. Et en particulier, cet intéressant rapport émanant du centre d'armement. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, monsieur. Oui ou non, est-ce vous qui avez procuré à l'officier Cooney ces précieuses informations? Oui, c'est moi, mais... Vous avez divulgué des documents top secrets sur le matériel de la police sans demander d'autorisation? Monsieur, en général, il faut fournir les informations sur le champ. Et bien souvent, c'est trop long d'attendre l'autorisation. Vous êtes bien d'accord que les renseignements que vous avez dévoilés sont au centre de toute l'enquête que nous poursuivons, et dont Frank Cooney est le premier suspect? Frank Cooney était un honnête homme. Et si vous nous racontiez un peu ce que vous fabriquiez la nuit dernière du côté du club de voyance? Je suivais Limon et Co. Une petite enquête pour mon propre compte. Vous faisiez quoi? Vous saviez, je pense, que cette affaire avait été confiée officiellement au service international. Oui, monsieur, mais je pensais que... Officier Nebicher. Dorénavant, vous comptez officiellement parmi les suspects de cette affaire. Étant donné les circonstances, je me vois obligé de demander votre suspension. Désolé, petit. Mmh.
enquête. Ah non, non, quelque chose a dû m'échapper. Non, s'il te plaît, curseur, pas maintenant, je n'ai pas envie de jouer. Bonjour, Walter. J'ai pensé que ça vous intéresserait et j'ai fait quelques recherches du côté des services de police parapsychologiques. Je vous en prie, Ottoman, je suis très occupé. Ils sont fascinants, vos collègues. Transmission de pensée, télépathie, table tournante. Ils ont l'air de bien s'amuser. Regardez ça, curseur. Oui. Non, écoutez, c'est très gentil tout ça, mais j'ai pas le temps de m'amuser, Ottoman. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ah oui, j'ai déjà lu ça chez un copain microprocesseur qui travaille à mi-temps au bureau du lieutenant Whittaker, et vous croyez que c'est intéressant? Intéressant? C'est capital, ça nous révèle exactement la nature des recherches de Frank Cooney. Écoutez ça, Co et Limon avaient eu quelques démêlés avec Whittaker bien avant l'histoire du magasin d'armes. Oui, mais en tout état de cause, ils ont été innocentés. Oui, mais on n'a jamais su pourquoi. C'est peut-être par manque de preuves. Mais le fait important, c'est que ces hommes ont dans le passé fait l'objet d'une enquête et que Whittaker s'est bien gardé de le mentionner. Tiens donc, est-ce que tout ceci aurait pu influencer leur témoignage? Jack et le capitaine vont m'écouter maintenant. Je vous verrai plus tard. Remerciez donc votre micro-copain pour moi. Et puis autre chose, restez en dehors de tout ça, d'accord? Eh ben voyons, il fonce dans la bataille avec autant d'atouts que le général Custer. L'important, c'est que j'arrive à temps pour le sauver. Je ne dois pas le laisser se faire massacrer. Et pourquoi? Pourquoi je ne lui fournirais pas une aide officielle? Une brigade spécialisée qui emploierait des méthodes tout à fait révolutionnaires. La police de l'inconscient. Bien sûr, il ne va pas aimer. Il se méfie toujours quand je prends des initiatives. Mais en général, je suis efficace. Pardon, ça c'est un peu vite dit. Viens m'aider. Je voudrais un costume qui fasse super classe. Flic extra lucide, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait ici. Agent de la brigade fédérale des spirites. Je suis très étonné que vous ayez cette fonction, je ne vous imagine pas là-dedans. Vous n'êtes pas informaticien? Je l'étais avant d'être muté dans ce nouveau service, c'est une promotion tout à fait récente. Ouais, pour moi tout ça c'est de la blague. Ah, Walter. J'ai du nouveau à propos du lieutenant Whittaker. Je dois voir le capitaine immédiatement. Walter, soyez donc raisonnable. Enfin, vous êtes fou de vouloir insister. Et puis d'ailleurs, personne ne vous recevra. Ils sont tous dans le bureau avec un type envoyé par Washington. Je crois qu'il vient les aider pour l'enquête. Quoi? Quel type de Washington? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. D'ailleurs, il n'avait pas rendez-vous. C'est sûrement quelqu'un d'important. Ils se sont rués sur lui. Regardez sa carte. Agent Mann? Attaché au bureau d'études parapsychologiques, brigade fédérale spirit, ministère de la justice. Oh, mon Dieu. Alors qu'il est, ces armes peuvent se trouver n'importe où. Vous avez raison, lieutenant. Vous savez qu'on parle de vous en haut lieu. Vous devriez venir chez nous. Washington vous ferait bon accueil. Eh bien, je crains que mon devoir me retienne ici, du moins pour le moment. Je parle des élections, bien entendu. Ça me fait penser que nous démarrons ma campagne cet après-midi avec... un tournoi de tennis, vous êtes le bienvenu. Les choses vont beaucoup trop loin. Il faut que je voie le capitaine. Vous n'irez pas. Vous n'avez vraiment pas d'instinct de conservation. Oui, monsieur. Nous partons pour le tournoi. Oui, monsieur. Ils vont sortir. Restez ici. C'est un ordre. Vous avez assez de problèmes à résoudre comme ça. Je reconnais que quand ils m'ont proposé d'entrer dans ce nouveau service, j'ai été sceptique comme vous, capitaine. Pourquoi avez-vous accepté? À cause de certaines expériences. Si vous y tenez, je vous ferai une démonstration au tournoi. Ah, mais ça, c'est une riche idée. Quand je pense que je vais rater ça, j'en suis tout retourné. À plus tard. Je vous emmène, Roxane? Je dois taper votre discours, je n'ai pas fini. Et j'ai encore quelques petites choses à régler. Je vous rejoins là-bas, Malcolm. C'est d'accord. Mais faites vite, je compte sur vous. Vous, même vous, vous y allez. Et vous l'avez appelé Malcolm. Un gars qui fait tout pour me perdre. Oh, Walter, ça me désole que vous n'ayez pas pu vous mettre d'accord tous les deux. Mais Malcolm est très gentil. Et même le capitaine l'apprécie, vous savez. Ah oui, un gentil garçon. Et un pitoyable homme de loi, surtout avec les innocents. Je dois y aller, Walter. Je suis désolée. Tâchez de reprendre vos esprits. Tout va finir par s'arranger. Oh!
soutenir notre futur sénateur Malcolm Whitaker. Soyez généreux. Et n'oubliez pas de jeter $1000 dans la cagnotte en partant. Eh ben, à mon avis, vous serez milliardaire avant la fin de la journée. Oui, je le pense aussi. J'ai l'impression que vous êtes bien entraîné. Oui, pas mal. Je jouais déjà à la maternelle. Alors, allons-y. C'est une menace ou quoi? Vous voulez que j'alimente les fonds de ma propre campagne? Tant qu'à faire, si vous perdez, je préférerais que vous financiez la mienne, ça me paraît logique. Oui, moi aussi, je veux aller loin. Vous visez le Sénat? Non, la présidence. Oui, c'est le rêve de papa. Mais ce n'est pas pour demain, j'ai le temps. Vous n'êtes pas obligé de payer d'un seul coup. Bon, quel est l'enjeu? D'abord, $1000 seulement, je vous préviens. Je peux monter à 25 000. À $25 000, je suis d'accord. Pour un set? Pour un jeu, plutôt. Je ne voudrais pas vous accaparer, vous avez d'autres invités. Un seul jeu, vous dites, pour $25 000. Bon, c'est d'accord. Je suis avec vous. On va faire quelques balles d'échauffement, d'ailleurs. Je suis toujours prêt. $25 000 sur un jeu et vous ne vous échauffez pas? Ça va bien, je suis échauffé. Alors, soit vous êtes là pour remplir mes poches, soit vous avez une recette magique. Ou alors, vous êtes John McEnroe. Ah oui, je peux jouer comme lui, mais ce ne serait pas gentil de ma part. J'ai tout de même été très bien élevé. Man, vous serez. Oui, merci. Ah, au fait, j'ai bien regardé votre jeu, Malcolm. Bon service, bonne volée. Mais, vous devriez soigner votre retour. J'ai été classé deuxième de l'État. J'aurais pas atteint ce niveau avec un retour faible. La balle s'est arrêtée net. Comment vous avez fait ça? Ma spécialité. Voulez-vous reculer un peu? Je vais allonger mon service. Oh, bah cette fois, vous avez eu de la chance, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Vous avez raison. C'est tout à fait comme dans une enquête. On peut avoir de la chance et ce n'est pas forcément une question de mérite. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert que vous aviez enquêté sur Limon Echo bien avant l'affaire de l'armurerie. Qu'est-ce que vous avez dit là? 30-0. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous trichez ou quoi? Dites-moi, à quoi on joue au juste? Très bonne question. Moi, je joue au tennis. Vous, je n'en sais rien. 40-0 pour l'instant. Et à propos de tricherie, j'ai l'impression que l'un de vos hommes a effacé toute trace de la fameuse enquête que vous aviez menée sur ces deux officiers. Et d'où tenez-vous ces informations? Eh bien, il n'y a pas d'ordinateur parfait en ce bas monde. Alors on les a dotés d'une mémoire supplémentaire. Une mémoire supplémentaire? Oui, en cas de d'effaçage accidentel, c'est bien utile. Le pauvre type qui a effacé les fiches de Coedimon devait ignorer les subtilités de l'informatique. Eh bien, vous êtes prêt pour cette balle de match? Il y a $25 000 en jeu. Je n'ai rien voulu cacher, man. Si vous avez vu ces fiches, qui ont existé, c'est vrai, du temps où j'enquêtais sur ces hommes, vous devez aussi savoir que l'affaire a été classée pour une très bonne raison. C'est-à-dire? Ces hommes n'ont rien fait. C'était une machination, l'œuvre de Frank Coulet, probablement. Ce type frayé avec la racaille. Vous comprenez bien que je n'allais pas accuser ces deux innocents à cause d'un policier complètement machiavélique. Bon, alors maintenant, allez-y, servez. À votre place, je ne les défendrai pas avec autant d'éloquence, Whitaker. Coe et Limon viennent d'essayer de me rectifier le portrait. Oh. Bravo. Je... Vous avez perdu, lieutenant. Mais je ne veux pas de votre argent. Vous pouvez le garder. Je veux des explications. Je veux cette raquette. Qu'est-ce que c'est comme raquette? Eh bien, c'est une autoraquette à régulation variable. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai enquêté sur ces deux hommes avant l'affaire qui nous occupe. Et c'est vrai que j'ai tout fait pour qu'ils se croient innocents. Mais le but était d'endormir leur méfiance. Bon, et pour Rolly Dumont?
Il a un passé douteux, vous êtes bien d'accord? Mais naturellement, et c'est bien pour ça qu'on pouvait l'utiliser en le faisant passer pour un acquéreur auprès des truands. Et c'est là où son passé nous était utile, nous aurions pu réussir si vous, vous n'étiez pas intervenu dans l'enquête en semant la panique. Vous voyez, Nebish, j'étais sûr qu'il y avait une explication. Vous n'aurez plus l'occasion de mettre votre nez dans mon enquête, croyez-moi. Capitaine, j'ai l'intention, dès demain matin, de déposer une plainte contre ce malade. Excusez-moi. Alors, vous pensez que je suis un peu fou, n'est-ce pas? Ah oh non, Walter. Je suis persuadée que des amis de Cole Limon, peut-être même des collègues, ont fait ce que vous dites. Ça se comprend, ils ont voulu les venger. Après tout, vous les accusiez d'avoir volé les armes. Sans parler du meurtre. D'accord. Tant que je n'aurai pas prouvé qu'ils ont trempé dans cette affaire, qu'ils ont pillé l'armurerie, ce sera ma parole contre la leur. Et vous ne prouverez rien en étant suspendu, Walter. Je sais ce que Whittaker va mettre en œuvre contre vous. Mais je vous donne ma parole que c'est de la rigolade comparée à ce que moi je vous réserve. Merci de votre soutien. J'apprécie. Bon, si tout a été dit, je n'ai plus qu'à me retirer. Agent Mann, j'ai l'impression que Walter vous écoute. Vous ne pourriez pas lui mettre du plomb dans la cervelle? Je ferai de mon mieux, capitaine. Je trouve que ça se passe bien. Vous trouvez que ça se passe bien? Je suis pratiquement interdit de séjour à mon bureau. Demain, il est probable que je serai poursuivi en justice, livré aux mains de deux psychopathes armés jusqu'aux dents, et vous avez le front de dire que tout se passe bien. Vous êtes très émotif. Vous avez besoin de repos. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu mes amis, mon travail, ma réputation. Mais qu'est-ce qui me reste? Je suis là, moi. Ouais. Mais vous, vous ne pouvez rien faire. Enfin, qu'est-ce qui peut relier Whittaker et Rolly Dumont? Vous ne pensez pas qu'il a des dettes de jeu? Non, j'en suis certain. Cet après-midi, je l'ai vu faire des paris de 25 000 dollars. C'est plutôt dangereux. Surtout pour vous, mon cher. C'est tout à fait au-dessus de vos moyens. Mais par quel bout prendre cette affaire? Quand on veut briser une chaîne, Walter, il faut frapper sur le maillon le plus fragile. Vous n'avez pas de photo de Frank Cooney? Quelque chose qui permette de faire un hologramme? Non, non. Une petite minute. Quand on était officier stagiaire, on avait un cours sur les techniques de surveillance. Marrant, on planquait des caméras, des micros. Et un beau jour, Cooney m'a entraîné dans un quartier chaud. Lui, il enregistrait, et moi, je filmais. L'image est très bonne. Regardez. Oui, et malheureusement, on n'a pas réussi à filmer son visage. Mais on a eu une très bonne note. Allez, dépêche-toi. J'ai pas que ça à faire. T'as le pognon sur toi, au moins? Ça va, ça me suffit. J'ai tout programmé. Programmé? Qu'est-ce que vous mijotez? Une illusion. Comment ça va, les gars? Je vous trouve une petite mine. Mauvaise conscience. Pousse-toi de là, Nebish. Je peux parfaitement te faire arrêter. Mais je suis venu pour vous mettre en garde. À propos de quoi? Trois fois rien. Ce cher Whittaker veut vous mettre toute l'affaire sur le dos. Et cela après vous avoir envoyé dans un monde meilleur. Quand même, c'est triste de perdre la boule à ton âge. Ah non. Ça va. Je me sens très très bien. Seulement, je préfère vous voir en tôle plutôt que le ventre à l'air dans le canal. Vous savez bien sûr qu'il a réouvert l'enquête sur les deux cambriolages dont vous avez été les vedettes, avant le casse de l'armurerie. Et une minute, non, on a été innocentés. Oui, parce que ça servait les projets du brave Whittaker. Mais maintenant, vous devenez très important. Vous ne me croyez pas? Alors demandez-le lui. Ça va commencer. Lieutenant, ils viennent juste d'arriver. Vous avez amené du renfort? Oui, j'ai deux unités sur place.
J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que 2 fiascos en 3 jours, ça ferait beaucoup et j'ai pas tellement envie de finir à la soupe populaire. Compris. On y va. Oui, ça nous convient très bien. Oui. Bon, voilà. C'est pour ce soir, Whittaker. L'acquéreur est d'accord. Bon, et pour Limoneco? Du fond de l'océan, ils ne parleront plus à qui que ce soit. Et comme leur disparition équivaudra à un aveu, nous sommes tranquilles. Nous n'avons pas le choix, Malcolm. Limon et Co viennent de se pointer. Bon, je compte sur vous, Malcolm. Surveillez ces deux-là, Walter. J'ai pas eu le temps de vous contacter cette semaine, d'accord? On veut savoir si vous avez réellement repris la première enquête sur les cambriolages, c'est tout. Mais enfin, où êtes-vous allé chercher une idée pareille? Ce type-là, Nebbish. Alors vous l'avez cru? Ouais. Mais quelle bande d'ahuris vous faites, c'est pas vrai? Mais toute cette histoire devient trop compliquée. Je vous laisse ma part, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Ne soyez pas stupide. Vous savez que je vous protège. Écoutez, les armes seront livrées dès ce soir. On va tous être payés et après ça, on oublie tout. Tiens, bonsoir, Malcolm. Une petite sortie entre amis, est-ce que je vois? Agent Mann, voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci beaucoup, je suis attendu. Alors, bonne soirée, messieurs. Bon, là? Alors, tout est prêt. Patience, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, le club des joyeux spirites est heureux de vous présenter Madame Russo. S'il vous plaît, veuillez vous tenir tous par la main et surtout concentrer votre attention sur cette bouche. Prisonnier du ventre de la terre, mémoire condamnée au silence, révélez vos noirs tourments à nos cœurs en colère. Car sonne l'heure de la vengeance. Est-ce que vous aimez ces deux mois? C'est très beau. Curseur, tu peux y aller. C'est sûrement encore cet animé, il l'a déjà fait l'autre soir. Oui, mais comment il fait? Cache peut-être des miroirs. Où t'as vu des miroirs? Oh mon Dieu! Qui est là? Qui m'appelle? Qui êtes-vous? Je suis Frank Matthew Cooney. C'est un trucage. C'est du bidon, je vous dis. Excellent. Maintenant, la suite à l'acte 2, la confrontation. Pourquoi? Est-ce que votre âme erre sans repos? C'est parce qu'on m'a assassiné. Non! Vous êtes des meurtriers! Non, c'est Whittaker, c'était son idée! Mon Dieu! Tu ne me tueras pas, Sam, car tu l'as déjà fait. Oui, curseur, tu étais brillant. Et maintenant, on y va. C'est le moment, allez-y. Vous avez l'air pressé. Tout est fini, lieutenant. Ah.
mains en l'air. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, mais je comprends parfaitement. Au départ, vous étiez obligé de rembourser des dettes de jeu, ce qui explique l'incroyable surenchère des paris lors du tournoi. C'était pour ma campagne. Ah oui, un peu plus et vous faisiez exploser Wall Street. Vous avez falsifié la première enquête pour que Limon et Co. acceptent de dérober les armes, mais au dernier moment, Kounet est intervenu. Alors soit vous témoignez contre ces abrutis, et la justice en tiendra compte, soit vous êtes solidaire quoi qu'il arrive, ce qui signifie que vous cautionnez un meurtre. Walter, Limon prend la fuite. Curseur ? Je viens avec vous. Et ben alors monte. On descend. Bien, Walter. Vous ne m'en voulez pas trop? Non, vous avez bien travaillé. Sortez de la voiture et les masses sur le capot. Au revoir, Malcolm. Peut-être bien qu'on joue au tennis en prison. Vous pourrez améliorer votre retour. Merci, Ottoman. Co a accusé Limon du meurtre de Kounet, après quoi Limon s'est empressé de se retourner contre Whittaker, qui a entraîné du monde dans sa chute, et en plus, toutes les armes ont été retrouvées. On peut dire qu'ils savent se serrer les coudes. Mm-hmm. Vraiment, Walter, je m'en veux d'avoir douté de vous. Croyez-le. En fait, je ne vous en veux pas. À un moment donné, j'ai douté aussi. Mais j'étais sûr que Frank n'avait pas fait ça. Au moins, sa famille pourrait être fière de lui. Tu as été courageux, Walter. Félicitations. Vous savez, on m'a donné un... Bienvenue au bercail, officier Nebuchadnezzar. C'est agréable à entendre. Merci. Jeune homme, je tiens à vous présenter nos excuses pour les accusations mensongères dont vous avez été victime récemment. Et officiellement, vous êtes réhabilité et réintégré dans nos services. Avec les plus sincères félicitations de vos supérieurs pour votre ténacité, votre courage. Alors merci encore, Walter. Merci, monsieur. Bon, ce n'est pas tout. Assez plaisanté. Tout le monde au travail. Entendu. Merci encore. Et une petite minute. L'extra lucide de Washington, il a disparu? Oh, vous savez, ces gens-là sont très facétieux. Alors qu'il est, il s'est peut-être métamorphosé en képi.